Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Curisoneuse. On se retrouve comme chaque mardi et jeudi matin à 8h05. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélie Tchaikasky, députée au Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour Louise et bonjour à toutes et à tous. Vous étiez vendredi passé une proposition visant à améliorer l'accessibilité des sites internet pour les personnes porteuses de handicap. Pourriez-vous nous dire en quelques mots de quoi il s'agit Alors, il s'agit justement d'un texte qui vise à ce que les sites web et les applications des services publics soient plus accessibles aux personnes porteuses d'un handicap, aux besoins spécifiques. Donc, depuis septembre 2020, tous les sites web des services publics doivent être accessibles aux personnes porteuses d'un besoin spécifique. Ça peut être des personnes malvoyantes, aveugles, porteuses, voilà, de, de toutes sortes de, de, de handicaps, qui ont des besoins spécifiques et et donc, les, on se rend compte que les sites web euh, des services publics ne sont pas toutes et tous accessibles à euh, une partie de la population. Il s'agit ici de 25 de la population qui n'a pas accès à des informations qui sont essentielles pour leur quotidien. Et donc, mais notre texte justement vise à combler une lacune puisque la région bruxelloise a mal transposé la directive européenne. Et le texte du, que j'ai introduit, que j'ai signé et défendu vise justement à désigner un organisme qui va contrôler si les sites web et les applications mobiles sont bien accessibles aux personnes porteuses d'un handicap. Donc on a débattu en commission, en séance plénière de ce texte, mais malheureusement, force est de constater qu'il y a eu un, un petit jeu politique majorité versus opposition et le texte a été rejeté. Pourquoi Jugez-vous ce texte important et pourquoi avons-nous besoin que les sites internet soient adaptés n'était-ce pas le cas avant Eh bien non malheureusement il y a seulement 30% des sites web qui sont accessibles aux personnes porteuses d'un handicap et donc il s'agit vraiment d'un droit à l'information on pourrait penser qu'au XXIe siècle il faut plus se battre pour ce droit eh bien, au contraire il y a encore des lacunes à combler et c'est des personnes en fait qui se retrouvent dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une tierce personne ça, ça voilà n'ont pas accès à une information. Je vais vous citer un exemple concret. Il y a une plateforme de commerce qui a été lancée par la région bruxelloise pour promouvoir le commerce local régional. Et un jour, j'ai été interpellée par un citoyen qui m'a dit, mais justement, moi j'aimerais utiliser cette plateforme régionale, mais je ne peux pas parce que je suis malvoyant. Et donc si je veux faire un, un cadeau surprise pour ma fille, ben, je suis obligée de passer par une grande plateforme de, de, de renommée mondiale pour pouvoir faire cet effet de surprise pour ma fille et donc voilà c'est toute une série de petites choses ça peut être aussi des démarches en ligne vis-à-vis d'administration communale, régionale et donc les personnes sont dans un, une situation de dépendance alors qu'il suffit justement que ce site soit correctement codé euh, et alors la personne aurait accès et n'est pas dépendante d'une tierce personne donc c'est vraiment un, un droit de à l'information quand on parle accessibilité on pense toujours accessibilité en matière de mobilité mais rarement en matière d'accessibilité numérique qui est tout aussi important euh, de nos jours on l'a vu avec la crise actuelle qu'on a traversé, on est euh, toutes et tous euh, en, en télétravail, on fait davantage de démarches euh, en ligne, et, mais justement, là, il y a un manque à combler, parce que la région bruxelloise est à la traîne, et le risque est, est très grand euh, que euh, la Belgique se fasse pointer du doigt, euh, parce qu'on euh, est en retard avec l'accessibilité de nos sites euh, internet, euh, pointé du doigt par la Commission européenne, je, je, je veux dire. Donc, on risque des amendes, etc. Et donc, ça fait plutôt mauvais genre, et il ne s'agit pas d'être le mauvais élève de la classe. Je souhaiterais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que cette proposition a été rejetée. Pourriez-vous nous dire pourquoi et quelles sont les raisons avancées par la majorité Alors, elle a été rejetée, comme je disais, par un certain petit jeu politique, parce que bon, le, le texte était assez complet. Ça avait déjà plus d'un an qu'il a été euh, déposé. Donc la majorité avait un peu le temps de l'analyser, d'éventuellement introduire des amendements. Et ça n'a pas été le cas. Euh, les débats ont été euh, très succincts. Euh, la majorité bruxelloise a déclaré que euh, le, le, le gouvernement travaillait euh, à un texte. Bon, travailler à un texte, euh, ça fait quand même plus d'un an qu'on tire la sonnette d'alarme à ce sujet. Et alors, tous les euh, trois ans, la, la Belgique, et donc les entités fédérées, les différentes régions du pays, doivent rendre des comptes vis-à-vis -vis de la Commission européenne. Et donc, si on n'est pas euh, capable, de, justement, de montrer que nos sites sont accessibles à toutes les personnes, eh ben, on va se faire pointer du doigt euh, au sein de l'Union européenne. Et ça fait mauvais genre d'être le dernier élève de tout. Les États membres de l'Union européenne. Vous n'avez donc aucune idée quand ce texte vous sera présenté au sein de l'Assemblée Je l'attends, je n'ai pas une boule de cristal. J'espère sincèrement qu'il va arriver vite, le texte de la majorité, puisque notre texte a été rejeté, parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui touche le quotidien de quand même de 25% de la population qui se retrouve privée d'informations essentielles pour leur, leur vie quotidienne. En parlant de proposition de résolution, vous allez d'ailleurs défendre cet après-midi même euh, une nouvelle proposition qui porte sur le maintien de la plateforme Connecting euh, Bruxelles, euh, Brussels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux, trois mots euh, de quoi il s'agit alors, on s'est rendu compte avec la, la crise sanitaire au tout début du confinement, il faut remonter en mars 2020, qu'on euh, s'est retrouvé isolé, confiné chez soi. On ne pouvait plus avoir de contact, contact avec des personnes extérieures. Il fallait limiter les contacts sociaux. Le télétravail aussi était en vigueur. Que les gens avaient besoin de liens entre eux. C'était ça qui était le plus important, les liens humains. Et que certaines personnes étaient isolées, euh, avaient des, des besoins de, 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 de services et d'autres étaient prêtes à en offrir. Et donc cette plateforme vise à mettre en correspondance, en lien, l'offre et la demande. Et donc ça peut être vous comme moi qui avez envie d'aider votre voisin ou votre voisine pour aller faire ses courses, promener le chien, tenir compagnie, faire une petite promenade, euh, effectuer des démarches administratives en ligne, aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Et donc le gouvernement bruxellois a lancé cette plateforme au début du confinement. Cette plateforme... Existe toujours, mais on, les Bruxellois n'en ont pas connaissance et n'est pas euh, suffisamment euh, utilisé. Donc, moi à l'époque, j'avais euh, complété mes coordonnées, euh, mis que j'étais disponible pour faire tel, tel, tel ou tel service, euh, aller faire des courses, aider les gens. Et puis euh, voilà, c'est tombé un petit peu euh, en, jach, en jach, jachère, je vais y arriver, <laughs> il est encore tôt. Euh, et. Euh, L'idée ici du texte que nous avons co-signé avec David Lester et aussi ma collègue du CDH, Gladys Cazadi, c'est de maintenir cette plateforme mais aussi d'en faire de la publicité auprès des Bruxellois. Comme ça, bah, ils peuvent s'entraider et se donner des coups de main, des coups de pouce. Quels sont les avantages selon vous de cette plateforme mais c'est justement créer du lien. On, on se rend compte qu'on est dans une société plus euh, individualiste. Euh, aussi à Bruxelles, il bah, y a euh, 50% de la population qui est célibataire, vit seule chez soi. La population aussi vieillit. On est toutes et tous confrontés à nos, à nos seniors, à nos grands-parents bah, qui vieillissent, qui, 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 qui prennent de l'âge. Et l'idée aussi, euh, derrière ça, c'est le maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc via ce, ce type de service qu'on peut faire, qu'on peut offrir. En entre citoyens, ça permet aussi par exemple à des personnes âgées de rester plus longtemps chez elles et de, de profiter de leur petit appartement, leur petite maison. Et des personnes viendront les aider au quotidien. C'est du bénévolat et c'est voilà donner un petit peu de temps pour autrui. Et je pense que ça fait du bien au moral, je pense, dans les deux sens. C'est des, des échanges entre humains, entre personnes et ça, ça met de bonne humeur, voilà. tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que le coronavirus a aggravé des situations qui étaient déjà problématiques euh, auparavant Oui, parce que cette situation a bah, isolé les gens. Euh, on a moins de contacts, on a dû réduire nos contacts sociaux euh, avec euh, nos proches, avec nos amis, etc. Et donc, c'est vrai que, bah, on s'est rendu compte que les personnes avec lesquelles on, on bavardait le plus, on discutait le plus pendant cette période un peu de confinement, c'était nos voisins de palier. Euh, euh, on, on discutait un petit peu avec eux. Donc, c'est vrai que ça a permis un petit peu... Euh, on on était sur nos balcons à applaudir, on se faisait signe entre balcons, euh, euh, justement, et on en prenait des nouvelles comme ça euh, par balcon interposé. Donc, c'est vrai que cette situation a un peu aggravé et a, 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 a créé euh, justement euh, moins de contacts. Donc, ça, ça, cette plateforme permet de remettre les gens autour d'un même projet de société. Justement, j'en viens à ma mm -hmm. question suivante, euh, qui concerne justement ce que vous venez de dire. Est-ce que la plateforme permet-elle de répondre à certaines de ces problématiques qui ont été causées par le coronavirus Oui, c'est ça. Mais ça peut être passer un petit coup de fil à une personne qui est isolée ou faire tout simplement une promenade dans le quartier et papoter lors de cette promenade, c'est vraiment des, 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 des petits coups de pouce, des petits coups de main et, et qui feront, qui apporteront du bien à une personne qui est dans, qui est isolée, qui est dans le besoin, qui n'a peut-être pas sa famille proche de, de, de sa commune, qui habite plus loin ou, ou tout simplement parce que les liens sont, sont coupés. Donc c'est vrai que je pense que cette, cette plateforme crée du lien social, du lien entre citoyens. Donc ça permet de ressouder oui. euh, tous ces liens qu'on a oui. perdus à cause du coronavirus. Voilà. Au sujet, donc, euh, il y a une manifestation qui s'est organisée ce 23 janvier donc pour lutter contre les mesures sanitaires. Je voulais un peu avoir votre opinion là-dessus, ce que vous avez pensé de ses conséquences. J'étais choquée par les images que j'ai vues euh, dimanche, qui ont circulé euh, sur les réseaux sociaux, sur le web. Euh, je suis pour, en effet, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit de manifester. Mais à un moment donné, il y a des limites aussi et on n'attaque pas la police, qui était là pour veiller justement au bon déroulement de la manifestation. Et donc j'étais choquée de voir que des personnes puissent jeter des barrières sur des policiers, euh, jeter des poubelles avec des fumigènes dedans, euh, etc. Enfin, c'est de la violence euh, totalement euh, gratuite, inutile. C'est choquant et ça ne se fait pas. Euh, donc je pense sincèrement euh, qu'il faut euh, une comparution immédiate, enfin, identifier tout d'abord les auteurs de ces faits. Il y a des images qui circulent, etc. Il faut essayer de les identifier. Comparution immédiate dès qu'ils ont été identifiés, tolérance zéro à l'égard de tels actes. Euh, aussi, euh, il faut, quand, euh, comme à l'égard de ce qui se fait dans les stades de foot euh, avec les hooligans, il faut exclure parfois certaines personnes quand on sait qu'ils sont reconnus pour des faits de violence euh, extrêmes, euh, des exclure de manifestations donc euh, voilà il faut travailler sur plusieurs niveaux euh, total soutien en tout cas à nos forces de l'ordre qui ont euh, euh, voulu euh, que cette manifestation se déroule dans un cadre euh, serein mais malheureusement ça a dégénéré donc oui à la liberté d'expression on a droit d'avoir des opinions euh, différentes mais à un moment donné quand des manifestations sont infiltrées par euh, des, des, des casseurs des personnes extrêmement violentes il faut remettre un petit peu les points sur les i et punir ces personnes qui ont blessé des policiers qui sont en, en arrêt euh, de de travail pour le moment qui ont dû être emmenés à l'hôpital c'est tout à fait choquant oui nous avons les images c'est vrai que c'était relativement choquant c'est la fin de cette émission merci aurélie d'avoir été parmi nous ce matin merci à vous de nous avoir écoutés on merci. se retrouve jeudi pour une nouvelle émission de curioseness très belle journée à vous et à jeudi